Salut tout le monde, c'est Reptalion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais continuer donc le let's play que j'avais commencé il y a quelques mois sur Resident Evil Revelation, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas le jeu entier. Donc du coup je suis en train de l'acheter, du moins de le télécharger, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la démo de Resident Evil 7. Donc on va faire la démo tout de suite. Donc c'est plus exactement le teaser plutôt qu'une démo. Donc comme ça a été écrit, le jeu n'est pas fini complètement. Ok, donc il me faut une cassette vidéo. Par contre, les graphismes sont plutôt jolis pour un jeu en développement. Donc je pense à... Je les écraserai contre un rocher. Donc il y a un arrière. Ok. Donc on va aller voir. On va essayer de trouver une cassette. Ah. Pourquoi je peux pas jouer au piano? Donc là il me manque un fusible, j'ai l'impression. C'est plus maniable que le Resident Evil 3 ou 2, non c'est le 2. Révélation. Donc du coup qu'est-ce qu'il me faut? Faut que je trouve la cassette. Ouvrir, ok. C'est parti. Oh! Il y a quelqu'un qui a fait cramer la maison ou quoi? Donc... Des fois, c'est dans les éléments de décor qu'il y a des trucs cachés. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ah, je croyais que c'était la cassette. On peut fouiller. Doigt factice. Ah. Bon, bah, je pense que ce jeu va être un peu glauque. Ah, d'accord, c'est donc des objets à combiner. Je sais pas si on va devoir monter un mannequin. Ouais, c'est plutôt appétissant. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Si c'est un jean, si c'est une tête, si c'est un bout de jean, en fait, tout simplement. Du coup, je sais pas. Couper boulon. Ah, coupe boulon. J'imagine qu'on va devoir couper du boulon. Ah, je peux... Bien sûr, faut une clé pour sortir, sinon ce serait pas marrant. Donc du coup, l'ambiance est plutôt... dégueulasse, quoi, tout simplement. Donc là, à mon avis, je peux ouvrir ça. Avec ça. Attention! Ah. La cassette. Je pensais qu'il allait y avoir un jumpscare. Mais non. Il n'y en a pas eu. Je sais pas si les Resident Evil c'est juste dégueulasse ou que c'est censé faire peur aussi. Je sais pas. Mais bon. Je sais que j'ai la cassette et que je pourrais aller voir ce qu'il y a dans la cassette. Mais il y a cette petite pièce que j'ai pas encore explorée, donc ça je peux pas ouvrir. Vous êtes belle, madame! Donc du coup, on va descendre. J'ai pas l'impression de pouvoir courir. Donc. À mon avis, c'est une des fonctionnalités qui n'a pas encore été
mise au point ou je ne sais trop quoi. Donc, ok. Allons voir ce qu'il y a dans la cassette. Alors, donc j'imagine que la cassette, je vais devoir la mettre là-dedans. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ok. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de faire un film. Tout simplement. New plan. C'est une sorte de flashback où on peut interagir. Bonjour. Tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shit. Happy? Ecstatic. Oui, mais laissez-moi passer, monsieur. Voilà, merci. Je vais voir ce qui se passe. Ok, donc c'est fermé. J'imagine que c'est lui qui a le pouvoir de l'ouvrir. Ouais, je suis coincé. Ok, donc il n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, je t'ai pas demandé de me pousser, toi. C'est bloqué. Oh, un petit coup de pied. Donc du coup, peut-être que ça raconte l'histoire de ce bâtiment. Oui, donc vous voyez, ça c'est le truc que j'ai cassé. Elle est hantée. On va voir s'il y avait déjà les trucs dedans. Ouais, ça y était déjà dedans. Allez. Messieurs, vous êtes où? Ah, ils sont là. What? Pourquoi je peux pas passer? Je suis obligé de les attendre? Filme un peu ça. Tu veux que je filme quoi, ça? Not hillbillies, the bakers, Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son Lucas. Une famille plutôt paisible. Ok, donc ça raconte l'histoire. Et pourquoi moi je peux pas passer? Although this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Regarde-moi cette tête! Andre! Andre! Il est parti par là, ton André. You see where Andre went? Voilà. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I worked with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ok. Oui, bah je reste auprès de toi, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok. Donc quand on s'approche des murs, ce qui est plutôt pas mal, c'est que il s'appuie dessus. Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Il est où? Attends, je peux me baisser? Ouais, je peux me baisser. Ah, on dirait une sorte de poignée. Mais attends, mais je veux voir moi ce qu'il y a dedans. Oh, je ne saurais pas. Ah d'accord, fallait juste passer là.
En fait, j'avais pas compris. J'ai refait tout le tour de la maison voir s'ils étaient partis ou pas. Et il fallait tout simplement s'accroupir. Oui, j'ai compris, t'as pas avancé, donc il fallait que j'avance. Donc du coup... Ah, j'ai cru que ça avançait tout seul. Du coup, on est en bas. What? C'est quoi? Bouge. What? Wow. C'est un peu glauque quand même. Il n'y avait pas de sang tout à l'heure. Et s'il n'y avait pas écrit You, du coup, je sais qu'ils sont passés par là. Donc, et bah, allez, c'est parti. On va aller voir ce qui s'est passé. Tout simplement. C'est ça que je vais faire tout à l'heure avec la poignée. Donc, ok, on y va. On va retourner. Ah, il y a plein de cafards. Ok, on va descendre. Je suis obligé d'aller à la porte, tout simplement. Là où il manquait une clé. Par contre, ce qui me semble étrange, c'est qu'on a... Bonjour. Bonjour, monsieur. Ok. Ok. Fallait tout simplement prendre la clé pour que tout parte en vrille. J'imagine que je vais pas pouvoir sortir. Ou alors que ça va être la merde dehors. We gotta get the hell out of here. Come on. Ok, bon bah ça a l'air plutôt intéressant ce jeu, même si le gameplay était un peu faiblard au début, mais à la fin c'était vraiment très angoissant. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'achète ce jeu tout simplement et que j'y joue sur ma chaîne. Je vais tout simplement essayer de finir Resident Evil 2 Revelation avant d'attaquer Resident Evil 7. Donc n'hésitez pas à me dire justement si vous voulez que j'y joue à celui-là pour que je finisse d'abord le 2. Et dites-moi aussi si vous voulez que je finisse le 2 ou pas. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis. Tchuss!